haut du porte-avions. Sur le pont supérieur, vous devriez trouver un canot. Pendant que vous êtes sur le porte-avions, essayez de retrouver la trace de Val. Il faut qu'on sache où il l'emmène. Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passman et on est parti pour un vidéo test de Far Cry 1. Far Cry 1, le meilleur FPS de tous les temps. Mon FPS préféré. Et ça fait depuis 2004 que je l'ai et c'est vraiment... C'est pas rien ce Far Cry et j'y joue encore et comme vous avez vu, j'ai fait quelques gameplays bien sûr. Mais bon, je vais arrêter mes gameplays et conclure par ce vidéo test. Et donc ce Far Cry 1 est constitué en 5 difficultés. Ce qui allonge la durée de vie, hein, ce qui augmente beaucoup le replay value. Et donc il y a le mode facile qui est... Au début, franchement, je vais vous le dire, la première fois que j'ai fait le mode facile, en même temps j'avais 8 ans, quand j'avais fait le mode d'entraînement, et ben j'étais vraiment heureux de voir une trousse de soins en fait. Je galérais au mode entraînement. Mais c'est pas si facile que ça, hein, attention. Mais voilà, le mode facile, bon, qui est pas non plus très difficile, l'IA est à la ramasse. Le mode moyen, c'est, on va dire que c'est un peu plus corsé, mais bon, ça reste encore assez simple. Le mode difficile, ah là c'est plus de la rigolade. Ces trois modes de difficulté, je les ai faits, mais j'ai pas fait le mode vétéran, qui est plus costaud encore, et le mode réaliste, je l'ai pas fait du tout. Enfin, le mode vétéran, je l'ai pas fait du tout, mais le mode réaliste, je l'ai fait et je suis allé jusqu'au niveau 6. Ma première fois qu'on rentre contre les trigènes, et je vais vous expliquer ce que c'est les trigènes plus tard. Et donc voilà, c'est... Quand on est en mode réaliste, l'IA est beaucoup plus développée et tout simplement c'est assez impressionnant quand même. L'intelligence de l'IA, c'est... Il te contourne et tout et le jeu, comme ça, paraît franchement bourrin. Quand vous le voyez là devant vos écrans, là, vous vous dites mais c'est un FPS bourrin. Mais en fait, pas du tout. Des fois, il faut vraiment être assez tactique et... Et par exemple, si on est avec un sniper, si on a un sniper avec nous, faut pas non plus, faut en profiter pour tuer de loin. Putain, je vais vous montrer ça de toute façon, mais je crois que dans une phase de gameplay, j'avais déjà fait. Voilà, je vais vous montrer ça dans un certain niveau où, on est obligé de le faire presque. C'est de tuer des postes de sniper au loin avant de s'introduire dans la base. Sinon, après, on est dans la merde. Il y a même un poste de bazooka, hein. Il y a même une tourelle où t'as un mec dedans qui est avec un bazooka, donc c'est pas de la rigolade. Donc voilà, c'est sinon il y a 20 niveaux en tout et c'est vraiment bien. C'est 20 niveaux pour un FPS, c'est très convaincant. Et il y a 4 niveaux, sachant qu'il y a 4 niveaux qui sont assez linéaires. Comme la plupart des FPS, mais seulement 4, les 16 autres sont des niveaux vraiment, on a vraiment l'impression de jouer un open world, c'est ça qui est extrêmement impressionnant, et en plus ce jeu là, ce Far Cry 1, le cache vraiment que c'est un open world, parce qu'au début t'es sur une interface là, l'interface de menu est assez, c'est genre stage 1, stage 2, comme si c'était un jeu de plateforme linéaire et tout. Alors que pas du tout en fait, quand tu te rends compte le truc quoi, dès le premier niveau là avec l'entraînement, déjà quand t'es dans la jungle et tout, c'est extrêmement grand, c'est vaste, c'est ça qui est extrêmement impressionnant, et ça c'est respect quand même. En plus les graphismes sont vraiment beaux. À côté t'avais Half-Life 2, Half-Life 2 est un peu mieux graphiquement que ce Far Cry 1, on peut comprendre parce que Half-Life 2 est beaucoup plus linéaire et les niveaux sont beaucoup plus c'est plus des couloirs, alors que on est plus cloisonné, alors que dans ce Far Cry 1 c'est vraiment open world et tu peux vraiment finir les niveaux dans différents embranchements, et c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Et aussi son côté tactique où faut bien se cacher dans les buissons, hein. C'est l'un des seuls FPS où faut bien se cacher dans les buissons parce que les ennemis te voient vraiment pas dans les buissons, c'est un truc de fou. Mais voilà, et puis maintenant je vais peut-être vous raconter un peu l'histoire qui est un peu, bon, on va dire moyenne. Faut le dire de toute façon, dans la plupart des FPS, quand c'est pas repris d'un fait historique comme les Medal of Honor, quand c'est pas repris d'un fait historique, et on va dire que c'est un peu le néant, hein, le scénario.
En gros, on contrôle Jack Carver, qui est un personnage, bah, on ne sait pas qui il est réellement. On croit que c'est un vacancier, parce qu'il est en chemise à fleurs rouges, qui va passer des vacances sur cette île tropicale. Et en fait, pas du tout, parce que c'est carrément un site scientifique, en gros. C'est là où il y a beaucoup de science, et c'est comme ça, en fait, qu'il y a un scientifique fou, Krieger, qui crée ces... Bon, on va dire, c'est les trigènes, qui sont des créatures très étranges, qui sont des espèces de singes. Et il y a trois sortes de trigènes. Il y a les gros pépères, je les appelle là, avec le lance-roquette greffé à leurs bras. C'est vraiment la classe. Bon, par contre, ils ont pas une gueule qui ont la classe. Sinon, il y a aussi les mercenaires, je dirais, les trigènes mercenaires. Parce que c'est ceux qui ressemblent plus à un mercenaire, sauf que bah bien sûr ils font des sauts gigantesques, titanesques, ils peuvent vraiment aller partout, ils peuvent vraiment te surprendre. Bon, quand il est près de toi, il te donne, il te fait des attaques au cac, des coups de pied et tout. Et quand on est de loin, bien sûr, il utilise son fusil d'assaut, il a un fusil d'assaut. Sinon, il y a les trigènes qu'on rencontre au début. Ceux-là, c'est les plus chiants presque. C'est les plus petits, qui ressemblent plus à des singes. Eux, ils te sautent dessus, ils te griffent. La première fois que j'ai vu ça, je me suis fait défoncer en un coup. Et ils sont vraiment puissants. Ils te font juste une attaque, pouf, tu perds presque toute ta vie. Donc, même en facile. Donc voilà, faut pas les prendre à la légère, faut surtout pas les attaquer au cac, ceux-là. Mais voilà, sinon, continuons pour l'histoire, parce qu'on est un peu parti en n'importe nawak. Donc oui, il y a des trigènes qui combattent contre des mercenaires. Et le chef des mercenaires, Crow, dit à ses mercenaires de tuer ce Jack Carver, parce que Krieger fait partie aussi des mercenaires, en gros. Mais lui, c'est le scientifique fou, donc, on le voit jamais, hein, on le voit qu'à la fin, mais ça va être, il va y avoir pas mal de spoils, mais c'est pas grave. Et donc, voilà, sinon c'est tout pour l'histoire. Après, Jack est censé rétablir cette île tropicale à la normale, c'est pour qu'il n'y ait plus des trigènes qui se baladent partout, et donc, ils sont à la recherche de l'antidote pour de l'antidote, mais ils le trouvent pas. Et à la fin, il est conduit par Doyle. D'abord, je l'ai pas dit. Il trouve un espèce de talkie-walkie ou un portable, plutôt. Un portable qui, là où il y a Doyle qui peut lui parler. Doyle qui fait partie, attention, gros spoil! Je pense qu'il fait partie des mercenaires. Mais ça, je suis pas sûr, c'est grâce à Wikipédia que je le sais. Donc voilà, il fait partie des mercenaires. Moi, en fait, au début, j'avais cru qu'il dirigeait Jack et Valérie, pour pouvoir s'enfiler plein de blé avec l'antidote qu'il va vendre. C'est plus ça qu'on a l'impression que c'est plus ça, en fait, dans le jeu. Mais bon, d'après les informations de Wikipédia, il fait partie des mercenaires. Bon. Et voilà, en fait, on doit suivre ses ordres. D'aller de niveau en niveau, quoi. Enfin, à chaque fois, il nous dit ce qu'on doit faire. Bon, souvent ça va pas très haut, hein, c'est détruire une base ou une connerie comme ça. Et puis à la fin on se retrouve avec Krieger. Enfin, à la fin on se retrouve vers la fin, on se retrouve avec Krieger qui nous a vus, et puis Jack Carver et Valérie ont utilisé le sérum pour l'antidote, quoi. Enfin, pour pas être mutagé aussi, pour pas être mutagé, pour pas être transformé en trigène, tout simplement. Et le sérum n'a pas trop bien fonctionné, et ils ont été pris par hélicoptère par le fameux scientifique fou Krieger, et Valérie a été gardée par Krieger, et Jack a été balancé aux déchets, c'est-à-dire là où il y a plein de trigènes. Et donc après, on se retrouve avec une mitrailleuse dans ce niveau-là. Bon, là, je vais un peu trop vite, hein, mais bon, je vais parler plus du jeu après. Mais là, je parle du scénario, mais ça va un peu trop loin, parce que je vous montre le dernier niveau, en fait. Je vous montre l'avant-dernier niveau dès le départ. C'est totalement logique. Mais c'est pas grave. C'est ça qui fait le fun de notre chaîne. On va totalement dans le désordre. Et donc, sinon...
Oui, bah après on se retrouve avec une mitrailleuse, avec 10 balles, c'est incroyable. C'est vraiment, ça nous aide vraiment. Au début, on doit tuer un trigène, le plus petit, le plus chiant. Mais bon, heureusement, c'est les moins costauds, 6 hein, balles pour le tuer. En tout cas, en facile. Après, je sais plus, ça doit être à peu près pareil les autres difficultés, bien sûr, parce qu'avec 10 balles, on peut pas faire grand-chose au début. Et surtout qu'on peut pas trop s'enfuir contre ce trigène. On est obligé de l'abattre. Donc après, on descend d'une falaise, enfin, on fait un gros plongeon à la Tomb Raider, et puis après, bah, on se retrouve sur sur un territoire trigène, attention. Et donc, bah, moi, j'ai une technique. Moi, je vais à gauche, parce qu'en fait, je sais qu'à gauche, il y a que des trigènes, les gros pépères, là. Il y a que ceux avec le lance-roquette greffé, et je sais qu'eux, ils ont deux de tension, et qu'ils avancent vraiment pas vite. Ah oui, d'ailleurs, l'IA des trigènes est merdique, hein. Je vous le dis tout de suite. L'IA des mercenaires est très bonne. D'ailleurs, c'est un truc que je vais vous dire. C'est assez drôle. C'est que quand on met en facile, les mercenaires, ils perdent contre les trigènes la plupart du temps. Ouais, presque tout le temps, hein, faut le dire. Et sinon, en réaliste, c'est le contraire. C'est les mercenaires qui gagnent à chaque fois contre les trigènes. Parce que souvent dans le jeu, on va être confronté à des trigènes et des mercenaires, bien sûr. Et les mercenaires vont... bah, vu que les trigènes normalement ils sont pas censés être là, ils sont censés être dans leur cage. Voilà, ils ont réussi à s'enfuir. Et donc c'est à partir du niveau 6, ouais, qu'il y en a qui se sont enfuis. Et puis voilà, et après les trigènes abattent les mercenaires. Mais en même temps, c'est assez impressionnant de voir une IA se combattre, hein. C'est vraiment bien fait. Et bah en plus, quand tu vois à peu près 6 ou 7 mercenaires qui combattent à peu près bah, le même nombre de trigènes, c'est vraiment pas mal. Et des fois même, j'admirais le combat. Je faisais rien, j'admirais le combat, je regardais. Qui allait gagner? C'est le suspense. Mais bon, quand tu mets en réaliste, c'est toujours les mercenaires. Presque toujours. Et j'ai remarqué que l'IA des trigènes est toujours merdique, même en réaliste. Hein, c'est la même IA, je crois. Ils font vraiment n'importe quoi. Puis quand ils te voient, ils foncent dessus même s'ils ont pas d'armes. C'est un peu con. Et sinon, ouais, j'étais rendu à où? Je suis tellement allé dans n'importe Nawak encore une fois. J'étais rendu à Jack Carver qui devenait verdâtre parce qu'il commençait à se transformer en trigène. Comme il y avait aussi Valérie, elle c'était encore pire. Elle se rapprochait encore plus. Attention du. Elle était proche de la mort, et donc à côté, bah, Jack Carver alors a informé Doyle, et Doyle l'a emmené vite fait vers Krieger, parce qu'il disait que c'était Krieger qui avait l'antidote, et donc après, bah, Jack Carver a affronté Krieger, l'a tué, et puis en fait, c'était pas lui qui l'avait, c'était Doyle, bien sûr, mais imposteur, mais fils de... Enfin voilà, je m'emporte un peu. Quelle histoire émouvante, quelle histoire... cultissime, franchement. Voilà, ça mérite, franchement, il mérite son Oscar d'histoire. C'est bon, j'ai hâte de dire n'importe quoi, mais bon, voilà, c'est bon, une histoire moyenne, mais bon, sans plus, mais ça va. Bon, au moins, t'as vraiment l'ambiance du jeu est vraiment là, hein. Très bourraine, très malsaine. C'est vraiment ça. Quand t'entends les gars à chaque fois dire je vais t'écarter le citron, c'est ouais. J'ai vraiment bien aimé cette ambiance, assez rock'n'roll, même s'il n'y a pas de rock, mais c'est pas grave. Et bah sinon l'ambiance est vraiment très bonne. C'est quand il n'y a pas d'ennemis qui te repèrent, bah t'entends tout simplement bah, c'est juste des bruits sonores. La plupart du temps, il n'y a pas trop de musique, c'est surtout pour l'ambiance, les bruits d'ambiance. Et bah c'est assez bien fait, on se croit vraiment dans la jungle. Et surtout, bah, il n'y a pas que des niveaux de jungle. Bien sûr, le jeu est assez... le jeu est assez... comment dire? Il est assez conséquent, quoi. Il est assez... Il y a beaucoup de niveaux différents qui se démarquent. Et franchement, quand tu fais le deuxième niveau, c'est le porte-avions. Par exemple, là, je l'aurais pas dit dans Half-Life 2. Le deuxième niveau, c'est quoi? Je me souviens même plus. Voilà, dans Far Cry 1, la force de ce jeu-là, c'est surtout que les niveaux se démarquent. Même quand on
même quand on est des fois souvent dans la jungle, bah c'est franchement les niveaux sont vraiment différents, le cheminement est complètement différent et c'est vraiment pas la même chose. C'est ça qui est assez impressionnant dans ce Far Cry 1. Et bah sinon je vais vous dire ce qu'il y a aussi comme niveau, il y a les catacombes bien sûr, niveau assez sympathique. Bah là on rencontre des monstres, attention, des trigènes, on en rencontre vraiment pas mal. Et c'est là qu'il y a aussi des trigènes invisibles, je vous ai pas parlé de cela. Bah c'est les trigènes mercenaires en gros, mais qui sont invisibles, voilà. Et quand on les touche, ils redeviennent normal, enfin on peut les voir. Quand on les touche. Et pour les voir, il faut tout simplement bah utiliser les lunettes thermiques, pour pouvoir les voir. Sinon on est un peu dans la merde, quoi. On peut voir un peu une image translucide, mais bon, c'est moyen. Voilà, on les voit à peine. Après, je sais pas comment ils font les gens pour les voir sans les lunettes thermiques. Et donc sinon, ouais, dans les catacombes, c'est assez costaud ce niveau, assez dur, parce qu'on se fait quand même souvent surprendre par des trigènes et tout. Surtout les petits singes là, qui sont vraiment horribles. Sinon, on a des niveaux bah, dans des bases, bon, qui sont assez classiques ceux-là. Y a des niveaux aussi dans... Enfin, il y a un niveau où carrément, on va... Au début, on est sur l'île tropicale toujours, puis après, on va sur un bateau. Et ça c'est assez énormissime. Enfin on est toujours sur l'île tropicale, mais voilà, on est dans la jungle quoi. Puis après on... à la fin on est sur le bateau. Sur un bateau, mais c'est pas le porte-avions, il est pas aussi grand que le porte-avions, même si le porte-avions, le niveau porte-avions, on finit en... Si on le fait en chrono là, vite fait, 4 minutes 50 à peu près. Si on le connaît très bien. C'est vraiment un niveau très très simple et très rapide. C'est vraiment pas un niveau très long, mais en même temps c'est le niveau 2. Mais sinon voilà, c'est vraiment un excellent jeu, ce Far Cry 1, qui propose également une grande panoplie d'armes. On a vraiment beaucoup d'armes, on a vraiment un grand équipement, et ça pour 2004 quand même c'est fort. Donc on a plusieurs fusils d'assaut, il doit y en avoir 4. On a également un Uzi qui s'appelle le P90. Qu'on retrouve souvent chez nos amis qui jouent à Call of Duty, hein, nos amis Kevin, enfin voilà. Sinon on a le sniper bien sûr, le lance-roquette, et puis après je pense que j'ai... Si, on a aussi un P... Enfin c'est pas un P90, mais il utilise les mêmes balles que le P90, et cette arme là par contre c'est vraiment de la merde. Ne la prenez pas, si vous voulez galérer dans le jeu. Prenez-la, hein. Mais bon, c'est l'arme la plus pourrie du jeu, tout simplement. Quoique, il y a le couteau à côté. Le couteau, c'est pas mieux. Donc voilà, vous voyez quand même qu'il y a vraiment beaucoup d'armes. On peut emporter que 4 sur soi. Également, on est équipé de grenades frag, de cailloux. Attention, ça, c'est l'arme la plus meurtrière. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Même quand on utilise les cailloux là, j'ai essayé contre les trigènes là, quand je suis caché quelque part et que je balance un caillou pour attirer son attention, ça marche pas en fait. C'est con. Surtout en fait il repère d'où j'ai lancé le caillou, donc il repère moi et pas le caillou. Donc en fait ça sert à rien les cailloux. Donc sinon il y a les grenades fumigènes, il y a les grenades flash, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de grenade incendiaire, non. Mais bon, c'est quand même vraiment bien. Sinon, on a bien sûr le fusil à pompe. J'allais encore oublier. Fusil à pompe, comme c'est pas rien. Puis qui ressemble pas à grand chose. Je sais pas, j'ai jamais vu un fusil à pompe comme ça. Très très efficace contre les trigènes, hein, j'ai remarqué, ce fusil à pompe. Surtout contre les gros pépères, là, avec leur lance-roquettes. Sinon, voilà, c'est... Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est il y a tellement, bah c'est le jeu est très très hollywoodien, très ambiance hollywoodienne quand même. Des fois quand t'as des cutscenes, les cutscenes sont assez bon, elles ont quand même vieilli, mais bon, c'est vrai que c'est pas trop animé tout ça. Les personnages sont pas trop bien animés, mais bon, on peut pardonner ça, c'est en 2004 quand même. Même si Half-Life 2 fait mieux, clairement il fait mieux. Sinon,
Il y a bien sûr bah, les des cinématiques, bien sûr. Il y en avait encore en 2004 hein, sur PC. Et des cinématiques faites en images de synthèse. Par contre là, on voit vraiment que ça a vieilli parce que c'est vraiment flou. C'est un truc de fou. On se croit vraiment pas en HD là. D'ailleurs, le jeu peut tourner en 1920x1080 maximum. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est du bon. Je vais aussi vous parler de la maniabilité qui est assez impressionnante quand même. Clavier souris, attention, c'est pas rien. Bon, on peut pas jouer avec la manette, mais bon, ça n'existait pas encore les manettes pour PC. Enfin, ça n'existait pas beaucoup. Donc, la première fois que j'ai fait Far Cry 1, clavier souris, je galérais un peu. Puis après, bah, franchement, on s'y habitue super rapidement. Et c'est vraiment le meilleur combo hein, pour jouer à FPS, clavier souris. Sinon, pour tous les autres jeux, ne jouez pas au clavier souris. Jouez avec une manette. C'est horrible. C'est horrible le clavier souris. J'ai essayé Indiana Jones et le tombeau de l'empereur. D'accord. Vaut mieux que je reprenne ma manette de PS2. Oui, la maniabilité pour un FPS de 2004 est quand même assez très bonne. Sachant que on peut viser, contrairement à Half-Life 2, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi dans Half-Life 2 on peut pas viser. Ça me choque encore ça. De faire un clic droit pour pouvoir viser. C'est pour pouvoir un peu zoomer le curseur, enfin, pour pouvoir mieux viser tout simplement. C'est comme tu peux viser que avec le sniper quoi dans Half-Life 2, c'est tout. C'est un peu con. Mais voilà, dans Far Cry on peut viser, incroyable. Donc sinon, il y a aussi le mode statistique qui nous permet de tout simplement voir nos statistiques à la fin d'un niveau, voir combien d'ennemis qu'on a tués et combien de balles on a utilisé, enfin toutes ces conneries, vous savez, et aussi le temps, et ça c'est assez intéressant de se chronométrer, de se faire des espèces de petits challenges, et le mode statistique on le déverrouille quand on finit le jeu tout simplement, et bien sûr... Far Cry, il y a aussi un remake de Far Cry 1, c'est Far Cry Classic, qui a été fait bien plus tard, ce remake clairement est moins beau que la version PC, parce que c'est sur console HD, sur PS3 et Xbox 360, et bien sûr bah, la version console est quand même moins belle, ce qui est dommage parce que franchement on aurait pu faire largement mieux quand même, vu que Far Cry 1 est quand même sorti en 2004, il n'y avait pas encore la Xbox et la PS3. Donc voilà. Mais bon, ça reste quand même un bon remake et bah, pour ceux qui ne l'ont pas sur PC et qui veulent y jouer à la manette. Voilà. Jack Carver est très maniable. Bon, il est un peu lent. On n'arrive pas à avancer très vite, mais par contre, c'est très. Quand on tourne avec la souris, c'est très intuitif, hein, c'est très. C'est très rapide. Contrairement à Far Cry 2, qui est une hérésie pour moi, c'est un mauvais. Un jeu très moyen. Mais bon, de toute façon, je vous en reparlerai de Far Cry 2. Parce que bien sûr, j'ai décidé de faire un vidéo test sans finir le jeu parce qu'il me fait chier. Tout simplement. Et j'ai honte de dire ça parce que moi, j'ai adoré Far Cry 1, voilà, je suis un fan de Far Cry. Et quand j'ai vu le 2, la première fois je l'ai vu sur PS3. Non, j'ai tout de suite dit, oui, certes, il est très beau, il est très joli, mais c'est tout, quoi, t'as que les graphismes. Après, t'as plein de bugs avec l'IA, là, qui est complètement à la ramasse, contrairement à Far Cry 1, où c'est vraiment une bonne IA. Et puis, c'est vraiment pas un très... Le jeu est très répétitif, on fait toujours les mêmes missions, et... Bon, même si Far Cry 2 est plus open world, et c'est peut-être pour ça que les développeurs ils ont pas réussi à faire un bon jeu de FPS open world puisque c'est la première fois qu'ils ont fait ça. Même si Far Cry 1, pour tout vous dire, moi je le trouve plutôt open world aussi. Mais bon, il est peut-être un peu plus linéaire, en tout cas l'embranchement du menu, l'interface du menu est plus c'est stage 1, stage 2, etc. T'as un menu alors que dans Far Cry 2 t'as pas de menu. Sinon dans Far Cry 3 c'est également un très très bon jeu, de toute façon je vous ai déjà fait un vidéo test sur Far Cry 3 et là ils se sont rattrapés, c'est bon, même si je préfère toujours Far Cry 1, ça c'est sûr,
Même si les effets spéciaux de Far Cry 1, on peut dire, sont un peu dégueulasses. Ça c'est sûr, avec les explosions. Mais quand on, par exemple, quand on explose une grenade, déjà l'explosion est bof, et puis après quand tu vois l'effet que ça fait là sur le sol, waouh. Je vous montrerai ça, je pense. C'est pas magnifique, mais bon. Encore une fois, on est en 2004. Enfin, même, je crois que pour 2004, on faisait mieux quand même sur console déjà. Donc voilà. Sinon, donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Franchement, ce Far Cry 1, un excellent jeu. Bien sûr, je vais pas faire d'autres gameplay vu que je fais ce vidéo test pour tout conclure. C'est un excellent jeu que vous devez absolument avoir. Si, j'ai pas dit quelque chose de très important. Le sniper. Quand on vise avec le sniper, il y a pas longtemps, j'ai acheté Call of Duty 4. Et quand on joue à Call of Duty 4, on voit directement la différence. C'est que dans Call of 4, dans COD 4, on voit que quand on vise, on est vraiment, on est vraiment assisté, hein. C'est avec le sniper, il bouge pas du tout le bonhomme. T'as l'impression qu'il respire jamais. C'est pas logique. Alors que là, dans ce Far Cry 1, on ressent vraiment la respiration du personnage, quoi, le Jack, quand il vise. Donc après, c'est extrêmement dur de viser. Et il faut même s'il retient sa respiration en appuyant sur barre d'espace, eh bien c'est quand même assez ardu de viser. Quand on est debout, faut être surtout à plat ventre, alors que dans Call of Duty 4, le mec, il est même, je sais pas, dans un avion, là, il essaie de viser au sniper, là, en bas, de trucider des mobs, là, en bas, et il réussit direct. C'est pas logique, quoi. Donc, voilà, franchement, Far Cry 1, c'est vraiment, si la plupart des joueurs qui aiment les FPS, qui ont fait des Call of Duty, franchement, jouer à Far Cry 1, il défonce complètement les COD, tout simplement. En fait. Et jouer aussi au 3. Mais jouez pas au 2. Surtout pas au 2. Voilà. Et surtout pas au Far Cry Instinct, qui sont très moyens aussi. Et au Far Cry Bouze. C'est-à-dire Far Cry Wii. Voilà. Une grosse bouze innommable. Le jeu est tellement moche que l'on dirait un jeu de N64. C'est assez incroyable. Puis donc voilà, voilà. Far Cry 1 et Far Cry 3. Mais c'est tout. Donc sinon, je trouve aussi la maniabilité, oui, au clavier, les touches sont vraiment bien placées. Et, on se déplace vraiment comme on veut. On peut soit se déplacer avec, le clavier numérique, soit avec bien sûr les lettres. Mais bon, bien sûr, moi j'utilise les lettres, hein, parce que le clavier numérique, je galère un peu. D'ailleurs, ce qui est assez bizarre, c'est que mon père, lui, utilise le clavier numérique. Donc voilà. Comme quoi, chacun ses goûts. Sinon, je voulais aussi vous parler du point faible de ce Far Cry 1. C'est la distance d'affichage. Certes, on peut voir quand même de très loin, mais à côté de ça, quand tu zoomes avec la jumelle, tu te rends compte qu'il y a presque rien qui a pop. Si, tu peux quand même voir les mercenaires de loin. C'est quand même assez impressionnant. Mais sinon, quand tu vois le sol, tu vois que c'est assez moche, et quand tu te rapproches, après tout a chargé, quoi, tout a popé, mais voilà, ça pop assez tardivement. Mais bon, encore c'est en 2004 et c'est vraiment la première fois que tu vois un FPS open world, c'est pas rien, avec quand même des graphismes aussi poussés. Puis en plus c'est Crytek, et c'est Crytek qu'ils ont fait pas longtemps après Crysis, là, et là c'est une claque graphique, même si je l'ai pas. Mais en voyant les trailers et tout, et aussi en voyant le gros ours montrer sa vidéo, le gros ours Hooper, bien sûr, bien, j'ai vu quand même que Crysis, c'est pas rien, et ça avait vraiment l'ambiance aussi de Far Cry 1, même si, je sais pas, il m'attire pas trop, ce jeu, je sais pas. Mais bon, Crysis fait en 2007, bien sûr, mais là, je pars un peu en dérive. C'est bien sûr aussi édité par Ubisoft, comme vous pouvez le voir. Et donc voilà. Normalement j'aurais dû dire ça au début, Ubisoft, mais c'est pas grave. Donc sur ce, je pense que je vous ai tout dit, encore une fois, je fais que de le dire, mais je vous ai tout dit. Ce Far Cry 1 est une tuerie absolument à avoir. En plus il doit être qu'à 10 euros sur Steam.
Puis en plus, on peut avoir la trilogie là avec plus Far Cry 3 Blood Dragon, qui est c'est pas la suite de Far Cry 3, mais c'est un peu un espèce de DLC de Far Cry 3. On peut avoir la quadrilogie, quoi, en gros, pour seulement une trentaine d'euros. Hein, c'est vraiment un super prix. Donc foncez. Et voilà, sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Non, je vous en prie. Vous ne comprenez pas. Ils m'ont envoyé. Ils me surveillent. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas changer l'avenir. Sans doute pas. Mais je vais changer le vôtre. Terminus, Doyle.